compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dehors. Voilà. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va compter un petit peu plus. Quoi, 11, 12. Et on met dans l'eau froide. Et on enlève la peau comme ça. Hein? L'idée, c'était non seulement goûter quelque chose, non seulement voir comment on prépare des plats, des trucs, mais aussi participer, parce que quand on fait quelque chose de la manière active, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre et de, d'être vraiment familier avec la culture. Donc nous allons faire une tarte tatin aux tomates. Donc vous verrez, c'est intéressant, c'est une entrée d'été en général, mais moi je la transforme en entrée d'hiver, puisqu'on couvrira, on mettra entre les tomates et la pâte, une confiture d'oignons. Super, bravo, et elle est bien, bien. C'est la pratique très bonne du français, parce que nous pouvons parler en français et pratiquer simultanément. C'est magnifique. Nous avons préparé des choses intéressantes, vraiment délicieuses. Les éclairs, petites éclairs avec la crème spéciale. Moi, je trouve que apprendre le français à l'école, par exemple, c'est une chose, c'est toujours des conjugaisons manuelles, des devoirs, et ça peut être un peu, je sais pas, un peu difficile peut-être pour être vraiment familier avec la langue et la culture. Et des événements comme ça, ça donne de simplicité. Bien sûr qu'on peut faire de la vraie cuisine avec tout ce qu'on a en Russie, parce que c'est un pays formidable. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire de très bonnes choses avec les produits du pays. Et c'est ça être un cuisinier. C'est cuisiner, c'est comprendre la viande, comment elle est coupée ici, comprendre la viande, comment elle est élevée et comment il faudra la cuisiner pour qu'elle soit bonne. Parce que nous avons des différentes façons de couper, de préparer la viande. Et c'est ça qui est bien. Et on dit cuisine. Cuisine. Et bon appétit. Bon appétit. Camembert.